Attends, Sandra, Sandra, s'il te plaît. Oui, papa. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit, ok? Même si nous sommes pauvres, mais nous pouvons toujours garder notre dignité, s'il te plaît. Je sais que tu as besoin d'argent, mais ne fais rien qui ne vienne du fond de ton cœur. Et ne te fais pas de mauvaise compagnie, ok? Bien, bien. Je promets, papa. Je m'en vais à Lagos pour trouver du travail, apporter de l'argent. Alors maman pourra guérir. C'est bien ça. Je vais toujours me souvenir de ce que tu m'as dit. Oh, oui. Oh, ça va. Ça va, ok? Ça va. Prends soin de toi, papa. Je le ferai. Ne t'inquiète pas. Petit oiseau. À toi de même. Ok, ma chérie. Bien. Bien. Ok, ok. Ah, Cordelia, tu t'es réveillée. Ah, oui. Pour de vrai. Oui. Comment tu te sens? Ça va. Comment tu te sens, chérie? Mieux. Et les os? Ça va. Je t'ai dit que tu allais te sentir mieux. Hein? J'ai acheté ceci. Tu vois, ça c'est le calcium. C'est pour les os. Et celui-ci. Et celui-ci, comme ça, tu ne vomiras plus. Oui. D'accord? Oui. Mais chérie, tu ne m'as pas toujours parlé. S'il te plaît, est-ce que tu peux te rétablir? Oui. S'il te plaît. Oui. Essaye de te rétablir, s'il te plaît. Oui. Tu sais qu'on n'a personne. S'il te plaît, rétablis-toi. Oh Dieu, s'il te plaît, remets-la sur pied. Hmm? Je n'ai même plus d'argent. Oh Dieu. Oh Dieu, s'il te plaît, remets-la sur pied. On ne parvient même pas à trouver ce qui ne va pas chez toi. Notre fille a appelé aujourd'hui. Sandra, elle a appelé. Oui. Elle a appelé. Oui, elle a appelé. Elle a appelé. Elle a dit que ça va en ville. Hein? Mais il faut que tu te relèves. Tu dois te remettre sur pied pour notre bien, nous tous. S'il te plaît. Oko, s'il te plaît, remets-toi sur pied. Je continue à prier. Je vais continuer avec la prière. Tout est sous contrôle, d'accord? Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle.
c'est où là? Ah, merde. C'est où? Ah! Sandra! Comment tu vas? Ah, oh, Dieu merci, Dieu merci. Mais elle va bien, elle va bien. Elle est toujours couchée, mais... Oui, oui. Oui, je suis sur le point de lui donner... ces médicaments de... Oui, ces médicaments de l'après-midi. Oui. Non, j'ai acheté d'autres. C'est maintenant le calcium. Ils ont dit que c'est pour ses os. Ok, ça va. Ça va, elle se débrouille. Ok. Oui, Sandra, je te comprends. Mais tu dois encore faire mieux. Oui, le médecin ne fait que prescrire beaucoup de médicaments et il n'y a plus beaucoup d'argent. Je comprends. Je prierai pour toi. Mais, ok. Ok, que Dieu te bénisse. Oui, je vais aller lui donner les médicaments maintenant. Ok, je prierai pour toi. Que Dieu te bénisse, Sandra, d'accord? Es-tu obligé de fumer? Ah. Ah, Dieu. Arrête ça. Merci, j'entends l'appel d'Aïcha. Si elle appelle, dis-lui que je la rappellerai plus tard. D'accord. Pourquoi me traites-tu de cette façon? Qu'ai-je fait de mal pour mériter ce genre de traitement venant de toi? Sandra, cela n'a rien à voir avec ce que tu as fait ou pas. Je suis juste fatiguée, c'est tout. Mais ça, ce n'est pas ce que nous nous sommes dit. Du moins, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Sandra, s'il te plaît, arrête. Qu'ai-je promis et que je n'ai pas accompli? Tu as 250 000 chaque fin du mois sans retard. Je t'ai acheté une voiture, une nouvelle voiture, il y a de cela quelques mois. J'ai fait déjà énormément de dépenses et qu'est-ce qu'il y a exactement? J'en ai ras-le-bol, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant? Ce que je ne fais que dire depuis plus d'une semaine. Écoute, Sandra, je vais être un peu plus responsable. Prendre un peu plus soin de ma famille. Maintenant, tu vas être responsable et concentré sur ta famille. Aïe, ça, c'est pas juste. Oh, non. Aïe. Aïe. Aïe, ne te fous pas de moi. Aïe. Qui était-ce? Ah, un numéro inconnu.
Qui? Son téléphone. Aïe, Chukuka, tu es en train de jouer avec le feu et tu vas effectivement te brûler. Tu vois, je ne crois pas que tu comprennes ce que j'essaye de te dire. Sandra est devenue un peu plus têtue. Elle me passe les coups de fil jusqu'à minuit. Et tu t'attends à quoi? Tu penses qu'elle va te laisser si facilement? Tu n'as encore rien vu. Et que penses-tu que je devrais faire pour une cause déjà perdue? Accepte les choses en face. Pardon? Oui. Tôt ou tard, elle sera fatiguée de passer tous ses appels tout le temps. Et elle finira par comprendre que tu l'as quittée pour une raison valable. Pourquoi n'accepte-t-elle pas que les choses ne resteront jamais telles qu'elles sont? Mike, je ne peux pas garder Sandra comme maîtresse pour toute la vie. C'est impossible. Bien. Qui sait? Peut-être qu'elle se disait que les choses changeront d'une manière assez incroyable, quoi. Genre quitter de maîtresse. Où veux-tu à venir? La seconde épouse. Et oui, c'est pas une mauvaise idée, tu sais. Parce que Sandra est jolie, intelligente et vraiment bien. Et vous êtes ensemble depuis un bout de temps maintenant. Je comprends pas d'où vient la rupture. Passe-moi le verre. C'est de la bière. Une seconde épouse, tu es ivre. Comment peux-tu te permettre d'imaginer telle chose à mon égard? Tu es aveugle. Je viens juste de prendre une bouteille. Écoute, Sandra, on a marre d'être la maîtresse. Elle veut plus que ça. Alors pourquoi rompre? Écoute, Mike, éventuellement, qu'elle commencera à exiger plus. Donc plus vite je la laisserai, mieux ce sera pour moi. Tu ne le comprends pas? C'est vrai que tu m'as comme point là. Je disais que tu peux avoir une part du gâteau et l'avoir entièrement pour toi. Mais je pense pas qu'elle te laissera si facilement. Prépare-toi à la guerre avec elle, ok? Tu parais inquiet. C'est la guerre pour les femmes. Il y a des conséquences. J'en connais. Pas le croire. C'est comme un rêve pour moi. Si quelqu'un m'avait dit que Ike me traiterait moi, Sandra, de la façon dont il a fait, j'aurais fortement détesté la personne. Sandra,
Sandra, je t'ai averti. Je t'ai averti à propos de ce type. Je t'ai averti à propos du stupide arrangement que tu avais avec ce type. Mais non, tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as tout simplement pas écouté. Il t'utilisait depuis tout ce temps. Maintenant qu'il est fatigué de toi, il te laisse tomber. C'est ça? Aïcha, imagine que Ike a arrangé les choses avec sa femme. Quoi? Et m'a offert un chèque de 3 millions de naira. 3 millions quoi? Et a dit qu'il me paye pour toutes les promesses qu'il m'a faites. Sandra. Ce type est malade dans sa tête. Il doit vraiment être malade dans sa tête. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Tu n'as pas à stresser à cause de lui. Qui diable pense-t-il qu'il est? Aïcha, tu sais quoi? J'irai là-bas. Et je vais me rassurer que je me suis présentée à sa femme. Tu n'as pas à faire ce genre de choses. Tu ne devrais pas faire ce genre de choses. Imagine. Aïcha a le courage de m'offrir de l'argent. Ce stupide idiot à qui je faisais confiance. Sandra. Sandra, s'il te plaît. S'il te plaît, ne te détruis pas quelque chose sans importance. Tu n'as pas à stresser pour ça. Hein? S'il te plaît. Aïk, je te jure. Quand j'aurai fini avec toi, tu maudiras à jamais le jour que tu m'as connu. Tanti, ce pot a bien fait cuire les cheveux de Kenny. Regarde. Oh mon Dieu, tes cheveux sont si sourds. Finalement, tu serais capable de faire des jolies tresses avec tes cheveux. Merci, maman. Maman, quand est-ce que papa va rentrer? Petit cœur, tu vantes ton père. Moi aussi, j'ai un père. Maman, es-tu jalouse? Comment je peux être jalouse de mon unique fille? Après tout, ton père, c'est mon mari. Ça, c'est ma mère. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon ange. Kenny, laisse que je te tresse vite et que j'aille faire le repas à ton papa. Tu traites si durement ces cheveux. Pardon. Que j'habite. Tu peux sortir. Bienvenue chez moi. Viens. Nous y sommes entre. Oh, c'est ici que je reste. Voilà, tu peux t'asseoir. Ouais, merci beaucoup. Ouais.
J'espère maintenant que tu pourras te passer de ce qui vient d'arriver là. C'est pas facile. Oui, je sais. Mais tu dois juste te sortir ça de la tête. Mais la question est, pourquoi moi? Je comprends. Mais sors-toi ça de la tête. Vois ça sous un autre aspect. Peut-être que c'est arrivé pour un but, tu sais. Actuellement, je ne peux pas parler à mes gens. Nous allons certainement trouver une solution, ok? Nous allons trouver une solution. Tu peux te soulager avec ceci? J'ai pas de choix, quoi. Ok, du moins, c'est pour neutraliser l'humeur. Merci. Pas de quoi. C'est pas très facile là d'ailleurs, tu sais. Tata Sangra, bonjour. Oh, Tonya, comment tu vas? Ça va. Le nœud que tu as attaché sur le visage, là, quel est le problème? J'ai une fatigue à moi pour aller à l'école, mince. Oh, désolée. Je te présente mon ami Kelvin. Comment vas-tu? Ça va. Et vous? Bien. Avec l'aide de ta cousine, je pense que je vais bien. Oh, Tonya, Dieu merci, tu es rentrée. Apporte quelque chose à boire à Kelvin. Ok. Merci. Tu as beaucoup risqué, tu sais. Mais gloire à Dieu, tu as envie. Allô? Kelvin, relax. Mon passeport. Mes papiers. Tous mes contacts. Envolé. Le tout premier jour dans mon propre pays. Hey, Kelvin. Ne prends-tu pas les choses calmement? J'ai déjà fait appel à la police. Ils ont promis d'arrêter les criminels en question. Je suis sûre que lorsqu'ils les auront, tu pourras retrouver tes biens. Je veux dire, ton passeport international. Alors, que suis-je supposé faire pendant ce temps? Je pensais, puisque tu n'as pas encore le contact de ta famille, je peux t'héberger, du moins pour le moment. Est-ce que ça t'arrange? Sandra, je n'ai pas d'autre option. Je dois te dire merci beaucoup. Pas de quoi. Mets-toi à l'aise.
Accorde-moi ta miséricorde, ô Dieu. Accorde-moi ta miséricorde. Que mon âme puisse croire en toi. Oui, et sous l'ombre de tes ailes, je trouverai mon refuge. Jusqu'à ce que ces calamités prennent fin. Je pleurerai à chaudes larmes devant Dieu. Jusqu'à ce qu'il cède au profond vœu de mon cœur. Oh Dieu. Pardon. Bénis l'âme de Cordelius, ma défunte épouse. Ainsi, lorsque ressuscitera avec Jésus, on pourra tous les deux se réjouir. Oh Dieu, pourquoi? Oh Dieu, pourquoi a-t-il fallu que tu me la prennes? Pourquoi devait-elle mourir? Tous les plans que nous avions pour la célébration du mariage de notre fille. Ma fille Sandra. Oh Dieu, Sandra. Sandra. Oh Dieu. Non. Je n'ai pas su. C'est qui là? Bienvenue, monsieur. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, tu es le bienvenu. Mais, Tonya. Oui, monsieur. Tu vis aussi ici? Je vis ici. Je vis avec Sangra. Ah. Le soleil doit vraiment être brûlant. Oh, bien. Hein? Depuis que je suis à la recherche de cette maison, son adresse n'est vraiment pas très précise. Désolé, mon père. Désolé. Où est Sandra? Sandra est derrière. Elle est derrière. Laissez-moi vous accompagner, papa. C'est par ici. Suis-moi, papa. Désolé, mon père, pour ce voyage qui était si difficile. Désolé. Bien. C'est bien d'être au Nigeria. Ok, papa. Nous sommes déjà arrivés. Ça me fait vraiment du bien d'être revenu. Sangra, ton père est là. Oh. Mon père. Bienvenue, papa. Je reviens. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Oui, c'est mon papa. Ton père? Bon après-midi, monsieur. Oh, la cigarette. Je suis désolé. Sandra, je suis sur de l'autre côté. Désolé, monsieur. Papa, assieds-toi. Mais papa, tu ne m'as pas dit que tu arrivais. Tu ne m'as pas dit quand est-ce que tu allais revenir à la maison, Sandra. Que puis-je t'offrir, papa? N'oublie pas tout ce que je t'ai dit, ok? Même si nous sommes pauvres, mais nous pouvons toujours garder notre dignité, s'il te plaît. Je sais que tu as besoin d'argent, mais ne fais rien qui ne vienne du fond de ton cœur. Et ne te fais pas de mauvaise compagnie, ok? Bien.
Yeah. Je promets, papa. Je m'en vais à Lagos pour trouver du travail, apporter de l'argent. Alors maman pourra guérir. C'est bien ça. Je vais toujours me souvenir de ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que c'est que tout ça? La cigarette? Cet homme? Qui vit ici, Sandra? Je vis ici, papa. Tu vis ici et il reste avec toi? Oui, papa. Et tu appelles cela un homme? Il vit avec toi? Papa, pouvons-nous d'abord aller à l'intérieur? Et tu viens juste d'arriver. Alors tu pourras manger quelque chose et te débarbouiller. Alors nous en parlerons plus tard. Sandra, tu nous as laissés au village avec rien du tout. Et à cause de tout ceci, tu nous as oubliés. Sandra, qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est ma fille? Je suis désolée, papa. Les choses n'ont pas marché comme je pensais qu'elles allaient marcher. Mais... j'ai cherché cet endroit. Tu es si populaire ici. Après une information, j'obtiens la déception de ta maison. Tu es trop populaire, Sandra. Je te dis, waouh, c'est vraiment un bel endroit ici. Hein. C'est un très bel endroit. Merci. Ça me flatte que ça te plaise. Ouais. Nous allons prier. Prier? Tu pries avant de manger? Ah, bien sûr, c'est une tradition ça. D'accord. Père, bénis cette nourriture au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment bon. Vraiment? Ouais, c'est vraiment bon. C'est bien, je suis contente que ça te plaise. Hey, Sandra, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ma puce à moi. Oh, ma chérie, je suis très très désolée. J'étais juste un peu trop occupée. Ouais, je vois ça. Oh, s'il te plaît, excuse-moi. Kelvin, Aïcha. Aïcha, je te présente Kelvin. Salut. Enchantée de faire ta connaissance. Oh, très ravie de faire ta connaissance aussi. Ok, c'est un plaisir. Ça te dit de joindre à nous? Non. On dit que 3, c'est l'orgueil. Je suis juste venue acheter quelques petits trucs. Il faut que je parte maintenant. Ok, alors, Kelvin, s'il te plaît, excuse-moi, je vais l'accompagner à la porte. Ah, c'est bon, c'est bon. Au revoir, j'espère qu'on se verra une prochaine fois. Oh, ma chérie, ça fait du bien de te voir. Tu n'es pas mal. Tu m'as vraiment manqué, tu sais. Et toi aussi. Avant que je m'oublie, qui est ce type? Ah, il n'est qu'un ami. Vraiment? Il vient juste de rentrer des États-Unis. A été attaqué par des agresseurs. Mon Dieu! Ils ont pris tout ce qu'il avait, y compris les contacts de sa famille. J'ai toujours un cœur, alors je devais l'aider. Oh, tu es si gentil avec lui. Alors il vit chez toi en ce moment? Oui, pour le moment. Ce type n'est pas mal, tu sais.
Peut-être il te fera une proposition. Et quel est ce but? Ma chérie, moi si le bon peut effacer toutes tes peines. Et qui a dit que je cherchais l'homme parfait? Ma chérie, tu as besoin de monsieur le bon dans ta vie. Laissons tomber. Je n'ai besoin d'aucun homme dans ma vie, ok? Je dois retourner là-dedans, ok? On se verra prochainement. Ok, jeune fille. Je t'appelle. Prends soin de toi. Tu vas me manquer. Bye bye. Bye bye. Oh, Kelvin, je suis désolée, je devais te laisser. C'est bon, c'est bon. Sandra, ton amie, elle est vraiment jolie. Hein? Oh, merci. L'une de mes meilleures amies que j'ai. Ouais, Sandra, je savais pas que les gosses s'est développés. Hein. J'ai été dans cette ville il y a de cela quelques années. Et je pense qu'elle peut être comparée à beaucoup de villes aux États-Unis. Mais tu n'as vraiment pas encore mis du temps, les gosses. Il y a beaucoup d'autres beaux endroits que tu vas découvrir. T'inquiète, dans ces cas, je t'emmènerai quelque part. Je cherche où mourir. Sandra, je dois dire vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Les vêtements, la nourriture. Je veux dire, ça fait longtemps que je n'ai pas bien mangé comme ça. Pas de quoi. Sandra, je me demande toujours ce qui me serait arrivé si tu n'étais pas là pour moi ce jour-là. Je dois dire que tu es mon ange gardien. Et à partir de maintenant, je vais commencer à t'appeler mon M.A.G. J'espère que ça ne te gêne pas. C'est samedi. Je prends exception sous un changement de nom. C'est pas une grande affaire. Tu avais besoin d'aide et j'étais là pour t'aider. Il y a quelque chose qui me dérange. Et qu'est-ce que c'est? Ton petit ami, comment est-ce qu'il se sent quand il me voit? Ne te dérange pas la tête avec ça. Il n'y a aucun homme dans ma vie. Je te prends ça comme un jeu. Comment peux-tu expliquer qu'une belle femme comme toi n'est pas tombée dans sa vie? Ça voudrait dire que tous les hommes de cette ville sont aveugles? Je ne blague pas. Il n'y a pas d'homme dans ma vie. Je suis désolé si j'ai dit un truc qui t'a fâché. Mais je pense que tu devrais lui dire tes intentions. Calvin, si tu n'as rien d'autre d'important à dire, ferme ta bouche. Qu'elle t'a oublié. Je suis sûr qu'elle est quelque part en train de travailler à te faire revenir à elle. Non, cela n'arrivera plus. Ok. Tu vois la mémoire de Sandra ambitieuse et objective. Mais à chaque fois que je pense à elle, je me sens un peu plus proche d'elle parce qu'elle m'a franchement aidé. Oh. Mais je peux pas la garder pour maîtresse à jamais. Raison pour laquelle dernièrement, je lui ai offert de l'argent et elle a refusé. Tu lui as offert quoi? De l'argent. Mec, ne savais-tu pas que lui offrir de l'argent, c'est comme si tu étais en train d'activer le feu? Ça va juste être comme si tu étais en train de faire grandir l'amour de l'argent en elle, en fait, fois trois. Et mon frère, je t'assure, ça marche pas avec beaucoup de femmes. Dis-moi. Je ne sais pas ce qui convient ou ce qui ne convient pas aux femmes. Je ne m'y connais pas dans ce domaine. Alors qui donc? Mike, tu as tellement d'expérience dans ce domaine. Comment tu le fais? Tu les conquiers et tu les jettes tellement bien. Waouh! Merci pour les compliments. Mais en fait, je n'en ai pas besoin. Franchement, j'en ai assez de tout ce bavardage. Parlons d'autre chose. Ta famille, alors comment va-t-elle? Ah,
elle se porte bien. Et Winnie et sa mère? Winnie est toute ma joie. J'étais en train de voir comment l'envoyer chez mes parents pour 3 mois, à partir du quai. Oh, vraiment? Elle va me manquer. Je dois partir. Quoi? Oui. Ouais, tu dois aller quelque part? Bien, j'ai promis à ma femme que je prendrai le dîner avec elle ce soir. Je me suis vraiment comporté en divorcé tous ces derniers temps. Surtout lorsque j'étais avec Sandra. Et maintenant qu'on est séparés, et je pense que je vais vraiment passer de bons moments avec ma famille. Et je l'aime vraiment. Ok. Je n'ai pas l'habitude de faire cela, mais je suis supposé finir ce poulet. Mais finis-le, finis-le. Comme mon mari me parle, il faut bien que j'écoute quand même parce que... Papa! Hey chérie, tu es debout, comment tu vas? Comment était la nuit? Bien. Hein? Mon oncle, bonjour. Bonjour. Profites-tu de tes vacances? Oui, mais j'aimerais sortir m'amuser. Adjé, prends soin d'elle, je vous verrai plus tard, d'accord? Ok, mon oncle, bonne journée. Alors, comment était ta nuit? Bien, merci. Je n'arrive pas à croire que je me suis réveillée trop tard. Cela ne m'est pas arrivé il y a longtemps. Bien, c'est certainement la résultante du rêve que tu as fait. Le rêve que j'ai fait? Comment sais-tu que j'ai rêvé? Je t'ai entendu parler dans ton sommeil dans la nuit. Je parlais dans le sommeil? Ouais. Je me souviens que je me suis endormie sur le canapé lorsque je regardais le film. Alors, comment je me suis retrouvée dans la chambre? Je t'ai pris dans mes bras. Tu as fait quoi? Tu as dormi entre mes mains et puis je t'ai porté vers ta chambre. Mais peux-tu me dire tout ce qui s'est passé hier nuit? Je veux tous les détails. Bien, Sandra, il n'y a rien d'extraordinaire qui se soit passé. J'ai entendu des cris venant du salon. Je suis venu. Et j'ai découvert que tu parlais dans ton sommeil. Vraiment effrayé. J'ai essayé de te calmer. Alors tu t'es rendormi. Et puis je t'ai porté vers ta chambre. C'était tout? Ouais. Je pense que je peux maintenant me souvenir de tout. Je t'aurais manqué de respect tout de suite. Je suis désolée pour ça. C'est bon. N'as-tu pas envie de manger quelque chose? Non, je n'ai pas faim. Sandra, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Et pourtant pas. Ton humeur a subitement changé.
Es-tu en colère parce que j'étais porté vers ta chambre la nuit dernière? Je suis désolé. Hey, je ne suis fâché de rien. Encore moins de toi. Sandra, de tout ce que tu as dit, depuis la dernière discussion que nous avons eue au restaurant, je peux en déduire en fait que quelqu'un a dû te blesser. Suis-je correct? C'est mon affaire personnelle. Ce n'est pas ton problème. Tu vois, Sandra, plus tu parleras de cette affaire, plus tu seras libérée. La partager avec un ami peut alléger ta douleur. Je sais que tu ne sais pas beaucoup de moi, mais je voudrais que tu me voyes comme quelqu'un vers qui tu peux te confier. Ok? Peut-on parler de ça maintenant? C'est une longue histoire. J'aime les longues histoires. Et je suis un auditeur très patient. Pourquoi ne pas essayer? Es-tu sûr que tu vas bien? Veux-tu que je t'amène à l'hôpital? Je vais bien. Je venais juste de sortir de l'hôpital. Oh, ok. S'il te plaît, pouvez-vous me faire une faveur? Bien sûr. Laquelle? J'ai besoin de prendre quelque chose pour boire les médicaments. Qu'est-ce que je peux te donner comme à manger? Une tasse de thé m'aidera. Tony à ma cousine l'aurait fait, mais elle n'est pas là. C'est pas trop grave une tasse de thé. Indique-moi juste que tu ouvres la cuisine et je gère le reste. Ah, merci. De rien. C'est juste là. Ok, je reviens. T'es réveillé. Ton thé s'est déjà refroidi. Je t'ai trouvé endormi à mon retour et j'ai pas voulu te réveiller. Je suis désolée, je me suis endormie. Mais
vous aurez dû me réveiller. J'avais très faim et j'étais très fatiguée. Ah, ça va. Puis-je te donner quelque chose à manger? De l'eau, du jus? Je suis encore à tes services. Merci beaucoup pour tout. Je vous suis reconnaissante. Mais je vais bien maintenant. Je peux m'occuper de moi-même. Bien, si tu es sûr que tout va bien, je vais repartir. Je dois retourner au travail. Je ferai un tour ici en fin de journée. Prends soin. Cela ne serait pas nécessaire. Du moins, j'ai pris beaucoup de votre temps aujourd'hui. Où travaillez-vous? Dans la rue. Sur la route? Bien, je suis un convoyeur. Un convoyeur? Mais vous n'avez pas l'air. Je te l'ai pas dit. Bien, je suis venu à Lagos pour chercher du boulot après mes études et c'est ce que j'ai obtenu après un an. Bien, je dois partir. Prends soin de toi. Merci. Oh, de rien. Bye. C'est bon. Pardon. Si je ne t'avais pas appris ma façon de préparer, tu l'aurais fait. Mais tata, dites que j'avais faim. Alors dis merci. Merci tata. Bonsoir. Hey, tu arrives à temps. Je dois aller. Ah, c'est pas pour longtemps. J'étais juste de passage et j'ai décidé de faire un tour. Salut. Bonsoir. Oh, ça c'est ta pensée à toi. Si ça ne te dérange pas, comment va le business de convoyeur? Bien, je ne me plains pas. J'ai vraiment apprécié ce que tu as fait pour moi la dernière fois. De rien. Je me demande ce qui me serait arrivé si tu n'étais pas là lorsque j'ai perdu conscience. Eu égard du fait que beaucoup de personnes dans cette partie de notre pays sont très réticentes avec ce genre d'aide que tu m'as apporté. Bien, j'ai fait ce que tout le monde aurait pu faire. Voilà une raison de plus pour laquelle nous devons apprécier le peu que nous avons. Merci. Pas de quoi. Eu égard à ce que tu as dit la dernière fois, je considère le fait que tu aies dit que tu étais gradué. J'ai fait les études en management. Et à cause du fait que tu n'as pas pu trouver un emploi, tu as décidé d'être un convoyeur, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Gestion de business, ça c'est bien. J'ai un ami qui a des agences commerciales. Il y a cela quelques jours, elle se plaignait d'avoir quelques problèmes avec l'un de ses employés. Et elle en recherche un. Pour de vrai? Oui, si tu es intéressé, je peux placer un ou deux mots. Et je suis sûr qu'elle te programmera pour l'entretien. Sandra, je suis intéressé. C'est depuis longtemps que j'entends entrer dans ma profession. Ok, alors je l'appellerai plus tard ce soir. Je suis sûr que quelque chose de positif arrivera. Ok. Faut que je parte maintenant. Je vais t'appeler plus tard. D'accord, mon cher. Oncle Ike. Oui? Je me demandais, comme tu es mon convoyeur là, si tu pouvais venir me chercher, mes amis et moi, demain soir. Oui, ça va? À quelle heure? Aux environs de minuit. Minuit? Pardon? Quelle fête? Je pense que tu devrais t'entendre avec ta sœur. Je t'appelle, ok? Ok, prends soin de toi. Prenez soin de vous. Merci okay, beaucoup. Ok, tonton, demain soir. Oui. Et qui t'a dit que tu pouvais aller? Mais tu m'as dit que je pouvais aller m'amuser, non? Et alors, est-ce que c'est lui qui doit t'amener là-bas? Mais ça dérange en quoi? Puisqu'il est convoyeur, non? Tais-toi et mange. Pourquoi donner l'argent à d'autres cons?
Sonia? Oui? S'il te plaît, y a quelqu'un à la porte. Ok. Tonton Ice! Ok, elle est là. Sandra, imagine quoi? J'ai... Quoi? J'ai eu le boulot. Oh, j'ai eu le boulot! 840 000 naira. Presque un pocher et d'autres petits avantages. Et... Oh Dieu, c'est comme un rêve pour moi. Oh, wow. Félicitations. Je savais que tu allais l'avoir. Oh, merci à toi, Sandra. Si tu n'avais pas été là pour moi, je n'aurais pas eu ce boulot. Tu le mérites. Tu mérites même plus que ça. Merci. Oh, et si nous sortons prendre un dîner pour célébrer cela? Ah, un dîner? Oui! Oui. Un dîner dans un très beau restaurant. Tu mérites de le célébrer. Oui, mais... Oui, je te comprends. Le dîner sera offert par moi. Merci. Hey, tonton Aïs, mes félicitations. Merci. Ah, je suis très contente pour toi. Ah, Tonya, pourquoi tu ne lui apportes pas à boire? Ok, ok. Je sais. Un verre d'eau, s'il te plaît. Voilà une table. Merci. De rien. C'est bon. Tu sais quoi? Avoir ce genre de boulot a toujours été dans mes sujets de prière. Merci d'avoir rendu mon rêve réel. Hey, tu ne dois pas continuer à me remercier de plus en plus. Je te l'ai dit, tu mérites le boulot. Bonjour, monsieur. Merci. Un instant, s'il vous plaît. Si tu n'avais pas passé l'interview, tu ne l'aurais pas eu. Même avec mon influence. Mais tu m'as donné l'opportunité. Si je ne t'avais pas rencontré, je pense que je serais resté ainsi pour l'éternité. Merci pour cette opportunité. Hey, s'il te plaît. Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Une autre chose. Je me sens bien ici... Je t'apprécie beaucoup et j'aime bien ta compagnie. Et j'aimerais qu'on joue au jeu, si cela ne te dérange pas. Hey, tu me cotises? Oui. Quelque chose comme ça. Ok alors, tu dois savoir que la prochaine fois que nous allons faire une pareille sortie, ce sera tes frais. Sandra, la prochaine fois qu'une telle chose arrive, je serai un entrepreneur en chef pour BJNY Advertising. Tu es déjà le directeur exécutif de BJNY Advertising Agency. Merci. Merci de me remercier. Bon, aimerais-tu commander? Oh non, c'est moi qui offre. C'est moi qui devrais te demander ce que tu veux. N'importe quoi, quelque chose de bien, tout ce que tu choisis. Puisque tu me le renvoies. Je pense que je vais choisir le numéro 3. Qu'est-ce que tu en penses? Numéro 3. Tu es d'accord? Mm-hmm. Numéro 3, je pense que c'est bon. Numéro 3. Mademoiselle, s'il vous plaît. On aimerait okay, avoir le numéro 3. Merci. Tu es dehors depuis des heures. Comment va ta sœur? Ma cousine. Ah, désolée, cousine. Elle va bien. Oh, j'espère que les affaires vont bien. Merci. Très amusante. Yeah. Toi? Maintenant, un toast. Un toast. Bonheur. Amen. Succès. Et de bonnes affaires. Longue vie.
Amen. Enfin, maintenant, Tonya ne va plus t'appeler convoyeur. Heureusement. Bien, maintenant, je te propose un poste dans une agence de voyage. Ces voitures, ça c'est si tu auras le temps de faire ce que tu as à faire. Bien, laisse-moi voir. Si j'ai un peu de temps, pourquoi pas? Je peux toujours faire petit tour. Tu as vu? Ah, n'importe. Bref, merci de nous avoir amenés. On peut célébrer avec toi. Merci aussi pour tout. Et merci d'avoir honoré mon invitation. Pas de quoi. Désolé. J'espère que vous aimez le repas. Il y a quelque chose que j'aimerais discuter avec toi. C'est pour cela que tu as l'air aussi sérieux. Ne me dis pas que tu cherches un moyen de me déposer aussitôt. Tu étais dans les vapes depuis un moment, non? Tu connais tout ce qui me concerne. Mais il y a quelques petits trucs que tu es en train de me cacher, Sandra. Aïe, il n'y a rien que je te cache. Je te dis tout ce que tu avais besoin de savoir me concernant. Non, pas du tout. Tu joues toujours à la timide à chaque fois que je... À chaque fois que je te demande ce que tu fais dans la vie. Aïe, je t'ai dit que je suis impliquée dans beaucoup d'affaires. Quel genre d'affaires? Regarde, devons-nous encore passer par là? Oui, il faut. D'accord. Je fais tout business qui rapporte de l'argent. L'organisation des mariages, la livraison de nourriture, l'import et l'export, et ainsi de suite. Sandra, j'aimerais bien te faire savoir que je sais ce que tu fais dans la vie. Tu sais? Oui, je l'ai su depuis un moment. J'ai accidentellement surpris l'une de tes conversations avec l'une de tes collègues. Tu étais en train de discuter de comment soutirer 50 millions de dollars à quelqu'un. Sandra, pourquoi? Tu as pensé que si j'apprenais un certain mot de cela, je te quitterais, je me séparerais de toi. Sandra, qui penses-tu que je suis? Qu'est-ce qui t'a vraiment plongé dans cette affaire? Une de mes amies m'a introduit dans ce fameux groupe lorsque j'avais besoin de réunir certaines sommes d'argent pour l'opération de ma mère. C'était la seule solution que j'avais. Alors je devais le faire. Et tu t'es déjà aussi fait beaucoup d'argent, non? Pourquoi n'arrêtes-tu pas? Sandra, ne sais-tu pas que tu infliges beaucoup de peine? Tout ça qui... Tu as volé de l'argent. Ils ont sué pour leur argent. Je fais toujours attention sur le choix de mes victimes. Ce sont des gens dont la richesse est mal acquise. Des gens qui sont riches et insensibles. Des gens qui ont beaucoup d'argent. Et oui, qui ne peuvent pas supporter d'aider les nécessiteux. Voilà les catégories de personnes que j'escroque. Sandra, le code 419 dit que c'est un véritable crime. Ne vois-tu pas le risque? N'as-tu pas peur d'être appréhendé? Chaque profession a ses inconvénients. Ok. Il faut
faut que tu arrêtes de le faire. Tu dois arrêter de détourner l'argent des gens alors qu'ils ont sué pour cet argent. Tu dois l'arrêter si tu m'aimes tel que tu le dis. Ike, ce n'est pas aussi facile. Sandra, c'est aussi facile que ça. Ok, c'est pour cela que je suis là. Comme tu as dit que ce n'était pas si facile. Mais je te soutiendrai. Je serai là pour tout ce qu'il faudra pour cela. S'il te plaît, s'il te plaît. Ike, je ne peux pas abandonner ça comme ça. Tu peux. Tu peux. Est-ce obligé que tu t'en ailles? S'il te plaît, chérie. S'il te plaît, essaye de comprendre. Je suis dans cette affaire depuis un certain nombre de temps. Et je ne compte pas l'arrêter maintenant qu'elle commence à produire. Tu dis que tu t'en iras pour 3 mois. Oui, c'est ça. Tu vas me manquer. J'aurais souhaité ne pas aller. Alors tu n'es pas obligée de partir. Mais je dois le faire. S'il te plaît, ne me rends pas les choses difficiles. Ok. Je vais encore te donner ma parole. Cette fois-ci, c'est la dernière. Fais attention. Je le ferai. Alors je peux avoir ta bénédiction maintenant? Et si je ne te donnais pas ma bénédiction, resterais-tu? Non, pas vraiment. Donc, pas besoin que je te donne ma bénédiction. Chérie, ne me rends pas les choses difficiles. Tu réagis comme ça parce que je vais seulement te manquer. Ok. Ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Ça, c'est un chèque de 3 millions de naira. C'est pour toi. Sandra, un chèque de 3 millions de naira à mon nom. Pourquoi ça? Un chèque de 3 millions de naira venant de toi, je ne peux pas l'accepter, Sandra. Tu es un très merveilleux ami pour moi. Mais ce n'est qu'une simple manière pour moi d'apprécier. Sandra, un chèque de 3 millions est juste une petite démonstration de comment tu m'apprécies. Ike, tu as été si aimable envers moi. Et depuis que je t'ai rencontré, tu m'as apporté du bonheur. Je n'avais jamais rencontré un gars aussi aimable et compréhensif. Je sais que tu as plusieurs projets et dont tu as besoin de ces 3 millions de naira pour les réaliser. Tu vas vraiment me blesser si jamais tu refusais cet argent. Alors s'il te plaît, accepte-le. Sandra, je t'aime. Sais-tu que c'est la seconde fois que tu me donnes une opportunité de réaliser mes rêves avec ces 3 millions de naira? Je réaliserai beaucoup de choses. Je ne permettrai jamais que quoi que ce soit viens entre nous. Je t'aime, Sandra. Et je t'aime aussi.